Nous voici, en partenariat toujours avec DNA Pédigré, sur la route des étalons au haras du logis pour vous présenter l'une des recrues stars de l'année 2022 en France. C'est un grand événement, c'est l'arrivée en France de Victor Ludorum. Le voici, le voilà, vous allez le voir de plus près. Magnifique cheval que ce Victor Ludorum. Et avant qu'il ne reprenne sa présentation, on va rapidement demander un mot à Julian Innes, le Big Boss. Bonjour Julian. Quel est le plaisir de Julian, quel est le symbole surtout d'accueillir un cheval comme Victor Ludorum pour débuter sa carrière en France, ici au logis? Bon, tout d'abord, on veut dire remercier beaucoup le Cheikh Mohamed et d'Allègue Dauphin pour nous soutenir encore au logis et l'élevage français, de nous donner la chance d'avoir un cheval de cette calibre, cette qualité en débutant, c'est fabuleux. On peut dire que c'est un cheval que nous, on a suivi depuis longtemps. Et d'avoir un cheval qui n'est pas Chamadal, qui vient de la famille de Chamadal, avec une carrière de course qu'il a eue, un très bon 2 ans, gagnant de classique, placé de classique, encore l'année dernière, placé de groupe 1. Et on regarde bien le modèle du cheval, il est fabuleux. Donc c'est un cheval qui, on dit en anglais, il ticks all the boxes. Et heureusement, les éleveurs, ils sont venus en masse pour soutenir le cheval. Et on va essayer une liste complète encore, une liste complète pour son premier année, c'est sûr. Justement, on parlait de Chamardal, facteur important. Ça a été un étalon très important, Chamardal, pour Darley, qui est disparu, on le rappelle. Il est signé de son père et on peut dire que c'est un cheval qui a quelque part le profil de son père, beaucoup de vitesse et aussi cette capacité à performer sur 2000 mètres. Est-ce que tu vois du Chamardal en Victor Ludorum? Bien sûr, on regarde bien, il a une très bonne profondeur d'épaule, il a un dos assez court, un bon arrière-mont. Mais surtout, que la chose qui est bien avec Victor Ludorum, c'est qu'il a une jolie tête et il a une conformation très correcte pour un chamadal. Donc, il est tout pour lui. La conformation, regarde bien le modèle, la carrière de course, il était un bon 2 ans. Il est tout pour lui. Donc, on est très content. Et dernier petit mot, son prix, tu peux nous en parler et quel a été globalement son engouement? Quelles ont été les réactions des éleveurs à l'annonce de son arrivée au haras? Il y avait plusieurs personnes qui voulaient que le cheval il fait le monte un peu plus cher qu'on a mis, mais notre idée c'était pour avoir beaucoup de juments qui viennent des étalons pour ces premières 3-4 années. C'est pour ça qu'on a mis que 15 000, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient mettre lui à 20 000 ou même 25 000. Mais notre idée, c'était d'avoir le cheval à 15 000 euros. Comme ça, il va avoir le nombre de juments, le collet de juments que nous, on contrôle avec Darley. Et on va lui donner toutes les chances d'arriver ici, d'être un bon étalon. C'est ça l'idée derrière. Et aussi, en même temps, que en mettant le cheval à prix de 15 millions, ça donne aux éleveurs la chance de faire l'argent aussi aux ventes, qui est très important. Et ça, c'est notre stratégie. Du berceau ici à Darley aux ventes et aux pistes. Merci beaucoup, Julian. Et voilà pour Victor Ludorum, une des recrues phares de l'année que l'on vous a présentée au haras du logis en partenariat avec DNA Pédigré.